Le prince Charles, ce message de fin d'année un peu humiliant pour les parents de Kate Middleton. L'année 2018 a été particulièrement chargée pour la famille royale britannique. Entre les mariages, les naissances et les voyages officiels, les membres du clan n'ont pas chômé. Comme en témoigne la vidéo publiée sur le compte officiel de la Clarence House, la reine Elizabeth I, le prince Philippe, le prince Charles, Camilla ou encore Kate Middleton, Meghan Markle, et leurs époux respectifs, le prince William et le prince Harry, ont enchaîné les engagements. Tous ou presque y sont inclus, merci de suivre nos messages tout au long de l'année. Voici quelques-uns des faits marquants de 2018. Bonne année, peut-on lire dans ce post retraçant le parcours du duc et de la duchesse de Cornouailles. À travers ces quelques images, la famille de Meghan Markle est ainsi représentée avec la présence, certes furtive, mais remarquée, de Doria Ragland, la mère de l'ancienne actrice de suite, avocat sur mesure. Elle est notamment photographiée sur le perron de la chapelle Saint-Georges de Windsor et sur la photo officielle du mariage de sa fille. En revanche, nulle trace des parents de Kate Middleton. Bien que discrets, Carole et Michael n'ont pourtant pas fait bande à part ces derniers mois. La duchesse de Cambridge a donné naissance à son troisième enfant, le prince Louis, né en avril dernier. Ils ont ainsi assisté au baptême du petit garçon organisé en juillet dernier, mais aussi au mariage du prince Harry et de sa belle Meghan Markle célébré deux mois plus tôt. Pourquoi donc avoir omis d'inclure les parents de la duchesse de Cambridge dans cette rétrospective / simple oubli ou préférence pour Meghan Markle assumée / Les parents de Kate Middleton seraient, bien malgré eux, mis de côté par la famille royale. Pour célébrer le réveillon de Noël par exemple, Kate Middleton a dû décaler puis renoncer à passer quelques jours aux côtés de ses parents. Avec l'âge avancé de la reine et du prince Philippe, il n'est plus question qu'il ne soit pas présent, a confié une source proche au magazine Us Weekly. Plusieurs rumeurs circuleraient aussi dans les pages des tabloïds au sujet d'un certain favoritisme attribué à la nouvelle venue dans la famille. Le prince Charles apprécierait davantage la compagnie de Meghan Markle qu'il surnomme tungstène en comparaison à un métal résistant, à celle de son autre belle-fille. Le prince Charles admire Meghan pour sa force et pour la stabilité qu'elle représente pour Harry. La maison Windsor a, tout comme la famille Markle, traversé tellement de crises, de traumatismes et de divorces, pouvait-on lire dans le Daily Mail. Au contraire de celle de Kate Middleton. Est-ce la raison de ce traitement de faveur /